Hey, salut à tous, moi c'est Zil et aujourd'hui on est sur Inside. Alors je sais pas du tout ce que c'est, tout ce que je sais c'est que c'est un platformer et c'est pas généralement mon style de jeu, mais voilà, à sa sortie il avait quand même des critiques exceptionnelles, donc j'ai eu envie d'essayer. Apparemment on joue un quête en t-shirt rouge et en fait je sais pas du tout à quoi m'attendre si ce n'est que c'est un jeu peut-être un peu lugubre, mais j'en sais pas plus quoi. Visiblement, c'est pas très très compliqué. On se pose déjà quelques questions quand même. Que fait-il dans les bois? Déjà pour commencer. Fait-il seul dans les bois? C'est la nuit. Déjà, pourquoi est-ce que la nuit doit être présente? Donc voilà, pour le moment, ça se passe plutôt tranquille. En fait, j'ai. C'est ça mon stress, c'est que je sais pas du tout. Oh! Les barbelés, tu t'en bats les couilles. Ok. Bah écoute, on va passer en speed, hein. Ok, j'ai cru. C'était fait exprès, mais j'ai cru qu'il allait me reculer dessus, cet enculé. Bon. Ouh, roulade tactique. Oh, le fils de pute. Mais non. Sérieux. Ah ouais, il va d'abord passer à gauche. Bah voilà, easy, quoi. Ouais, ça va, ça va. En fait, c'est facile comme jeu, quoi. Ah là là. Non, mais est-ce que sinon courir dans le noir, dans la forêt, quand t'as l'air d'avoir 7 ans et demi, franchement, c'est pas. Attends, 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 attends. Ah oui, donc je peux pas aller en profondeur. Je peux avancer, reculer. Non, mais. Attends, attends. Cette espèce de frigo n'a rien à voir. Il y a moyen de lui éclater la gueule sur le mur. Ouh, il y a un sale kleps là-bas au fond, en haut à droite. Eh. Bon. Et quoi, barre d'espace, faire quelque chose? Non, contrôle, shift. Ah là, on a perdu. Ah, ok. Il faut pousser, mais il pousse du pire endroit possible, quoi. Il est pas. Et il monte de profil. Ok. Fine, whatevs. Et donc, on arrive au sale dog. Alors, clairement, là, il faut sauter. Okay. Donc quand moi je fais ça, je t'explique, j'ai plus de genoux, j'ai plus rien quoi. Et comment t'expliques ce que je dois faire ici? Oh non. Ok, donc il y a quand même un peu d'inertie. Ah, c'est quand même vachement dangereux, hein, je suis désolé quoi. Moi j'enverrais pas des coffres-forts de je sais pas combien de kilos. D'ailleurs, on se pose pas la question, mais il traîne ce coffre-fort dans le sable à main nue, tranquille. What the fuck, man? Ah ouais, ah non. Ok, bunny hop, bunny hop. What? Il me trace? Mais j'ai aucune chance. Cours. Ah, il va déjà un peu plus vite. Bah, t'as bien raison d'aller plus vite. Ah, c'était smooth. C'était smooth. Ah merde. Oh, putain, je me suis fait peur. Ok, bah, ça va. Il y a quand même un certain style, un certain cachet, une certaine qualité. Ah putain, je sens que c'était une erreur d'avancer comme un porc ici. Il va genre falloir se coucher ou quoi. C'est clair, putain. Ah ouais, là ils m'ont bien repéré là. On saute pour le style. Ah ouais, juste ils m'ont abattu quoi. Je t'invite à aller un peu plus vite, on a vu que ça va le faire. Ok, mais donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'arrêter 2 secondes ou quoi? Ah ouais. I'm a smooth criminal. Bah ça va, c'était easy. De nouveau, hein, si j'étais lui, j'aurais été 2 mètres vers l'écran et je me serais caché derrière un arbre quoi. Mais bon, je préfère courir 130 mètres visiblement toujours vers la droite. Ah putain ouais, mais là ils sont bien mis quand même. Bon, il y a clairement eu un bruit de porte. Bah ouais, mais ça c'était clair. Ça c'était clair de chez clair. Tu passes devant les phares, fils. What? Non, il fallait sauter. Ah ouais, non, mais là il va me violer là. Ah non, ok. Ah ils veulent juste me buter quoi. Juste.
Donc c'est tout ce qui les intéresse, quoi. Et visiblement, cette sale branche de merde, là... Et lui, il va se péter la gueule. Ah non, lui, il passe tranquille ou pompé d'up, quoi. Bon, est-ce qu'il y a une autre branche dans le... Et là, il m'étrangle pas, quoi. Ok, ok, attends, attends, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, là tu sautes, c'est facile. Ah ouais, l'autre, il a arrêté de me suivre. Et là, il tire pas. Non mais sérieux? C'est quoi ces Super Soldiers? Wouhou! Pussies! Mais c'est stressant comme jeu! C'est stressant comme jeu! Ah, Sibania! Ah, j'aime bien le passage du moment stressant au moment calme. Ah ouais, donc... Ok. Tu sais, je voulais visiter un peu dans les jeux, tu tiens toujours 15 minutes sous l'eau. En fait, lui, quand il a plus d'air, c'est pas genre Storti ou il te l'indique. Il clams direct. Ah non, ok, il te le dit. Il te le dit. C'est juste moi qui ai pas compris les signes. Là, j'étais à gauche, arbitrairement. J'aurais pu aller à droite, mais j'étais à gauche. Ok, clairement, il faut aller par là. Il y a un achievement avec un M16. Oh, il y a rien du tout. Oh putain, il fait des... Smooth. Une vraie princesse. Bon. Tout ça nous amène à... C'est quoi cette boule de magie en haut, là? Oh, un feu. Est-ce que ce serait pas Dark Souls? Quoi, donc je viens là et je fais commence? Ouais, c'était pas ça. Bon. Mais c'est chaud parce que je sais pas dans quelle mesure est-ce que je peux aller en profondeur, tu vois. Ah ouais, juste tu vas... Ok, bon, j'ai compris maintenant, mais je savais pas que... Donc le mec, il pousse le plafond, quoi. Mais ce truc doit peser, mais... 1 million de... Au moins en kilos, 1 million, quoi. Ok. Bon. Murky Waters. Ok, ça va falloir que je check. Qu'est-ce que donc cela? Something is not right down here. Damn right it is. Et quoi? Non mais, ok, super. Donc j'ai fait tout ça pour casser une boule, quoi. Est-ce que là, vous voyez ce qu'il faut faire, quoi? Ah, attends, c'est relié au fil jaune. Donc ça veut dire que... Ah ouais, parce qu'en fait, c'est en roule. Mais oui, voilà. Ok, j'ai compris. Elle alimentait un truc, et comme j'étais trop occupé à faire le con... Bon, c'est pas ce qu'elle alimentait, quoi. Donc si on suit le fil jaune... Putain, et ben il nage quand même. Il fait quand même plein de trucs super bien pour un gosse de 7 ans, quoi. Après, c'est pas tout dans le gosse, c'est en partie le pilote, quoi. Ok, donc clairement, là, si je vais, il va me tirer dessus. Donc il faut faire une sorte de... Et donc en fait, si là tantôt j'avais été ici directement, j'aurais été dégoûté, quoi. Parce qu'il y aurait eu... j'aurais fait tout ce trajet pour voir que ce qui est au bout du câble jaune n'est pas... des cochons morts, ok. Je sais toujours pas pourquoi j'ai débranché ce truc, hein. Je vous avoue que j'ai pas été au fond de l'eau pour voir où allait le câble jaune, c'était peut-être ça mon erreur. Oh, je suis curieux maintenant. Allez, mais tu vois... Tu te fais agresser, t'es là comme ça. Tu suis la route, tu vas vers la ville. Tu commences pas à courir à travers champs, mais complètement random, quoi. Ok. Je vous cache pas que c'est un jeu où il faut beaucoup pousser à droite, quoi. Niveau gameplay, c'est... On parle pas mal de pousser à droite, je vous le cache pas. Mais c'est bien, c'est facile. C'est-à-dire que si tu sais pas comment on joue, bah, y a une petite un petit chien de prairie qui me suit. Ah non, je sais pas. Aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est les petits poussins. Comment ils sont mignons.
Et pourquoi ils me suivent tous comme ça? Oh là là, et ils réagissent, on dirait l'IA des poissons dans Call of Duty. Bouh. Ouais, 1, 2, 3 piano, c'est pas encore ça quoi. Niveau hygiène, niveau maladie, on s'inquiète pas trop, t'as des poussins tout jaunes qui vivent à côté de cochons morts. Ah ok, donc là je vais pas faire contrôle. Ça va, celui-là était quand même assez évident. De nouveau, moi je me serais balancé dans l'autre sens, hein. Fils, si c'était toi, j'aurais quand même regardé vers là où je dois aller. Mais qui fait ça? Pas mal au niveau du son, c'est sympa. Donc là, on a une salle. Avec une manette, quoi. Juste, voilà. Bonjour, je voudrais une grande salle avec une manette. Ok, il y a un aspirateur géant. Et oh putain. Oh non 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 non. Ah si 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 si. Ah j'ai compris. Parce que en fait je dois monter là. Il y a la grosse boule de foin au-dessus. Et l'aspirateur il va. Ah mais c'est lugubre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça en plus. Ah ils se font pas aspirer. Ah mais non. Ok ouais non, alors là, c'est clairement ça qu'il faut faire quoi. C'est pour ça qu'ils sont plus lents que moi. Ok. Oh non, je dois les leurrer ici quoi. Bonjour. Vous m'aimez bien? Après, sans déconner, c'est pas dit qu'ils vont clamser, hein. C'est des oiseaux, ils volent, hein. C'est pas dit qu'il y a un broyeur à l'intérieur, hein. Si ça se peut, ils vont juste se cogner légèrement, quoi. Ben voilà, ils sont nickels. Non, non, c'est ça. Moi, je m'inquiéterais pas plus que ça. Mais de nouveau, on a une grande pièce avec un aspirateur et une grande planche avec rien dessus et puis un toit défoncé. Je vais vraiment me faire les cochons, là? Dans n'importe quel monde, ça fait mal, ça. Bon. Ok, donc. Ah, j'ai compris. Il faut pousser le chariot. Mais pourquoi tu pousses ça dans ce sens-là? Ça m'énerve. Oh putain, ça a servi à rien. Ah non, mais non, parce que maintenant je peux faire ça. C'est pour ça qu'il fallait défoncer le mur, moi. On bunny hop. Bah putain, il est quand même. Moi je grimpe pas une grille aussi vite, hein. Après, je suis pas forcément la référence du mec à bas. C'est dégueulasse, putain. Ah, mais non. Non, c'est too much, quoi. Ah! What the fuck, man? Putain, dude. Et quoi? Ah, mais je comprends qu'il soit. Ah, putain. Bordel! Il y a des gens derrière moi. Et je vais faire quoi? À part bunny hop sur ce putain de cochon. Ah, c'est dégueulasse. Ça m'a saisi et c'est dégueulasse. Je suis juste trop petit, quoi. Okay, donc on sait pas tirer. Mais pourquoi? Et quoi, maintenant il est à moi le cochon? Bon, ok, ça m'énerve. Pousse-toi dans le bon sens. Voilà. Juste, ça fait 3 fois qu'il regarde pas où il va. Ça me tend. Mais ça devient dégueulasse comme jeu. Ça devient juste dégueulasse. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Mais pourquoi?
Oh, what the fuck is this game? Oh mon dieu, mais c'est tellement space. Allez, pendant qu'eux ils tiennent, je peux les contrôler eux. Sortez vite. Et mon... Donc moi je les contrôle mentalement. What the fuck? Ah ben voilà, maintenant j'ai un passage. Et donc ces gens sont juste là, avec des cochons qui ont des vers dans le cul. Et what the fuck, putain. Et sérieux, moi je vais me faire du Battlegrounds après. J'ai l'impression que j'aurais pas dû faire ça. Bien que si, si, non, il faut pas faire des endroits où tu sais pas retourner. Ah, ce sera aussi simple que ça, juste il faut soulever. Ça c'est un garage qui est ouvert naturellement. Bah voilà, il fait beau. Donc on récapitule, il y a des gens qui veulent me tuer. On sait pas d'où je viens, je sais pas où je vais. Et il y a des cochons. Et il y a des zombies, des clones. Ah putain. Ok. Premier élément d'histoire. Ces gens qui ont l'air de... d'avoir des problèmes de dos quand même assez sévères, ont l'air d'être gérés par ceux qui ont des masques, puisqu'il y avait de la lumière et que ça... Ok, bon, clairement, il faut tirer ce truc-là. Non, il faut pas clairement tirer ce truc-là. Il faut peut-être tirer ce truc-là. Ok, voilà. Hop. Ah, il est quand même costaud, hein, de nouveau. Hein. Il balance pas mal, hein. Mais regarde où tu vas. Il me regarde pas où il va. Ça m'énerve. Bon, après, c'est stylé. Encore une ouverture complètement naturelle. Ah, des poussins. Salut les copains, salut les copines. Oh, c'est pas des poussins, ça. Ce truc va tomber. Soit quand je vais passer, soit bientôt. Ok, c'est bientôt. Ouh, il y a du puzzle ici. Il y a du mat puzzle. Alors, il y a... Ah, il y a une baie. Oh, ça tourne ça. Ok, c'est bien Keblo. Mais il y a une manette. Avec la manette. Visiblement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je fais ça. J'arrive ici. Après, qu'est-ce que ça peut me... Ah, mais non, voilà. Et je vais faire un trou dans le sol et hop, je vais avancer. Bah, attends, attends. On peut pas le tirer. Bah ouais, c'est un coffre qui fait 500 kilos, qui tient sur deux toutes petites planches IKEA. Mais bullshit! Ah non, 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 non! Mais oui, mais ça, c'était clair. C'était clair, putain. J'avais pas vu la fucking corde. Oh mon dieu, quel con. Ok. La technique, c'est de faire des petites poussettes. Ou enlever la corde. Oh là là. Quelle précision, Jean-Pierre. Et j'ai sauté sans regarder où ça menait, quoi. Okay. Clairement, c'est à gauche qu'il faut aller. Fil jaune, tout ça. On va checker à droite. Ah, mais pas clairement à gauche qu'il faut aller. Il y avait un mec. Vous l'avez pas vu, moi je l'ai vu. Bah ouais, deux fils, ça a été vissé. Tu pètes les quatre vis avec tes petits doigts, quoi. Bon, faut niquer la bouboule. Oh là là, il y avait un truc obscène à faire, mais j'ai pas eu le temps. Left behind ou left behind. Safe falling and hard landings. Ok, je crois qu'on va rester là pour l'instant. C'est une bonne introduction au jeu. Voilà, c'est pas mal. Moi, ça m'a beaucoup plu. Il y a quand même
Ça, quand même, sur. C'est quoi? Ça fait 20 minutes que je joue. Ils ont quand même réussi à me saisir. Je pense que j'avais déjà vu en plus un playthrough de cette. Un playthrough. De cette portion-là. Mais ouais, graphiquement, c'est à la fois simple, mais c'est en même temps plein d'ambiance, plein de style. C'est vraiment sympa. Et bah, franchement, ouais, on va y retourner, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Pourquoi? Pourquoi pas? Mettez un like si ça vous a plu. Mettez un dislike si ça vous a pas plu. Et moi, je vous vois dans la suivante. Ciao, ciao!